Ouais, Ronan, c'est Johan, je suis sur la route là, on est chez toi dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on est en route pour Brest pour rendre visite à la voilerie Incidence qui fabrique les voiles du bateau pour la route du Rhum. C'est un rendez-vous important parce que les voiles du bateau, c'est le moteur et du coup, le moteur, il faut le soigner pour que le bateau aille vite. Et on a rendez-vous avec Ronan Floch, le maître voilier qui s'occupe de mon projet. Voilà le type de technologie qui va équiper le bateau de Johan. C'est la toute dernière technologie d'incidence, ça s'appelle le défi. C'est une technologie filamentaire qui est à base de Kevlar et de Dyneema. Donc c'est un matériau qui est à la fois léger, raide dans son application et qui permet vraiment d'avoir des voiles qui sont très dynamiques, très, très vives, très, très nerveuses et voilà, qui sont vraiment adaptées au programme. Un maître voilier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait la synthèse, qui rassemble toutes les informations pour dessiner et lancer en production des voiles. Là, dans notre cas, avec la spécificité de la route du Rhum, c'est qu'on a 8 voiles à dessiner. Et la course au large aussi, ça nous impose de maître voilier d'être énormément à l'écoute du coureur pour vraiment répondre à ses attentes au maximum. Pour connaître son tempérament, c'est quelqu'un de très précis, il sait exactement où il veut aller. Le choix de son casque 40 en est le meilleur exemple, c'est un pari osé, bateau de un peu de nouvelle génération. Quand il y aura les conditions qui seront là, on sait que moi je sais que voilà, il faudra que les voiles soient présentes parce que ça va tirer fort. La classe 40 nous autorise à avoir 8 voiles. Et ces 8 voiles, il faut qu'elles puissent rencontrer tout un panel de conditions. Donc on fait des voiles pour le gros temps, des voiles pour le petit temps, des voiles pour remonter au vent, des voiles pour descendre dans le vent. Les voiles, c'est le même esprit que le bateau, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit à la fois léger, solide et forcément performant, donc que le design soit bien étudié pour effectivement que le package complet fonctionne.